Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous présenter ce que j'ai trouvé en solde chez Sephora. Donc je vais commencer tout de suite déjà avec le coffret comme ceci de chez Too Faced qu'ils ont sorti pour Noël. Et il était déjà à -40%, donc j'étais super contente. Je voulais justement le reprendre pour l'offrir à une youtubeuse que je suis, que j'adore bien sûr, et que je reçois tout le temps des petits cadeaux. Donc j'avais envie de lui faire plaisir en lui offrant aussi un petit colis. Donc dans ce petit colis, déjà il y aura cette petite chose. J'espère que ça lui plaira. Donc je ne vais pas l'ouvrir vu que ce n'est pas pour moi. Je vais vous montrer la mienne au cas où vous ne l'aurez pas vu. Ma vidéo Sephora que je vous ai tournée il n'y a pas très longtemps. Donc, comme ceci, voilà, si vous avez déjà vu, vous pouvez avancer si ça ne vous intéresse pas. Donc il y aura, ben, il y a aussi à l'intérieur le mascara, tout le monde connaît. Ensuite il y a une petite palette comme ceci avec les licornes et un petit chien, voilà, avec 6 fards et un bronzer. Ça qui est bien dans ce petit coffret, c'est qu'ils ont mis un de chaque dans chaque palette. Comme ceci par exemple, vous avez l'highlighter, l'autre le bronzer. Là il y a les 6 fards. Et comme ceci. Magnifique. Donc j'ai fait une économie de 77€ et des poussières pour mes achats. Et dans celle-ci, il y a le blush et les 6 fards. Donc je trouve ça super. J'ai pas pris celle avec l'agenda, même qu'elle était à -40%, je crois. Parce que j'ai pris l'année dernière le coffret qu'il y avait, je sais plus lequel, avec une palette. Et c'est la même chose, je trouve. Donc je me suis dit, ça sert à rien que je prenne une deuxième fois le coffret, juste pour le livre qui ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris à -40% au lieu de 23,95€, 14,37€. Donc ça valait super le coup. J'ai beaucoup entendu parler de ces masques. Donc à l'intérieur, il y en a 6. Comme ceci. Donc ce sont... il y a 2 masques de chaque. Donc il y en a 6 en microfibre à usage unique. Leur extrait d'œuf hydratante et rafraîchissante. Voilà. Et qui resserre les pores de la peau. Donc c'est super. Je vais vous les montrer quand même. Si j'arrive à le sortir de dedans, il est collé avec le scotch. Donc, je vais sortir les masques. Donc, nous avons 2 comme ceci. Ensuite, 2 comme ceci. Je vais peut-être en offrir un aussi à chaque fois. À la même personne. 2 comme ceci. Comme ça, elle pourra tester et elle m'en donnera des nouvelles. Ensuite, je me suis pris un petit parfum de 15 ml, donc le Alien de Thierry Mugler, que j'ai déjà porté, que j'ai déjà eu il y a longtemps et que j'adore. Donc, je me l'ai repris vu le prix, 24,95€ au lieu de 35,50€. Donc, ça valait super le coup. Je l'adore. Trop contente. Ensuite, j'ai pris de chez Urban Decay, donc un petit coffret comme ceci à -30%, pareil, au lieu de 29,95€, je l'ai payé 20,96€. Je vais vous montrer le rouge à lèvres sans les faire tomber. Donc déjà le packaging est comme ceci, super joli. Donc nous avons le premier qui est celui-ci. Je ne dirai pas les noms parce que vous ne les trouverez jamais si vous les cherchez, vu comment je prononce bien l'anglais. Ensuite, cette couleur, j'adore. Bien sûr, je le porterai. Celui-ci, je ne porte pas de rouge, donc c'est pour offrir aussi. Celui-ci, je vous ai montré le rouge. Je ne vous ai pas montré le nom du rouge. Comme ceci. Donc ensuite nous avons un
violet un peu pailleté. Voilà. Comme ceci. Donc ça valait quand même le coup. Ensuite, nous avons celui-ci. Voilà. C'est un marron bordeaux un peu. Et le dernier. Ceci. Voilà. C'est un marron un peu plus foncé. Et ensuite, la dernière fois que je suis allée à Sephora quand j'ai fait mon haul, la dernière fois, j'avais envie de cette chose, mais 75 euros. Franchement, pour moi, c'était trop. Vu déjà les articles que j'avais déjà pris, ça m'aurait fait beaucoup trop cher, mais j'avais pris deux palettes déjà à 69 euros, plus je sais plus d'autres articles. Donc, ça m'aurait fait trop cher d'un coup. Donc, j'ai pris cette box de chez Urban Decay à moins 40%, donc au lieu de 75 euros, 45 euros. Donc c'est super intéressant. Qui est comme ceci. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait de disponibles et qu'ils étaient en promo en plus, j'ai sauté dessus. Donc les filles, si vous cherchez ce coffret et qu'il est plus chez Sephora, vous pouvez regarder encore sur le site s'il y en a de disponibles. Mais je sais que sur le site Urban Decay, elle est aussi disponible. Il y a quelques jours, elle était à 57 et l'ont redescendue là à 45 aussi. Donc déjà, nous avons un spray fixateur de maquillage longue tenue de 30 ml comme ceci. Donc c'est super. J'en ai un de chez Sephora. Je ne l'aime pas, je n'utilise pas parce que il fait pas juste une brume, il fait des grosses gouttes qui tombent sur le maquillage et donc ça fait des taches. Si on porte du fond de teint, ça fait des taches et je n'aime pas du tout. Donc nous avons le mascara comme ceci. Voilà. Je suis trop contente de ce coffret. Nous avons ensuite un crayon noir comme ceci. Il est zéro, il est marqué. Donc c'est un waterproof. Contour des yeux, longue tenue. Un crayon noir. Tout simple. Ensuite, nous avons encore un rouge à lèvres. Et celui-ci est en full size. Voilà, qui est magnifique, mais que je ne garderai pas. Il est rouge, donc je vais l'offrir aussi. Et ensuite, il y a un eyeliner pailleté comme ceci, couleur or. Donc je suis hyper contente, j'adore tout ce qui est pailleté, couleur or, couleur argent. Et on finit avec la petite palette. Donc il y a un miroir et il y a les fards. Elle est magnifique. Je suis hyper. En plus, j'ai aucune palette de chez Urban Decay. J'ai déjà acheté des palettes de chez Urban Decay, mais je les ai offertes et j'avais pas de Naked. Les autres, je les ai offertes. Pourquoi? Parce que c'était des couleurs vert, jaune, bleu et que je ne les portais pas. Donc, je les ai offertes. Ça fait très plaisir à cette personne. Donc, je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et à la liker, ça me ferait super plaisir. Et de me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez trouvé en solde chez Sephora ou Mariano ou Nocibé. Donc, bisous tout le monde.